Bonjour. L'état de la politique française préoccupe grandement la presse ce mardi. À commencer par cette toute dernière affaire qui tourne au grand déballage, ou comment la société Big Malion sonne le glas de l'UMP en révélant des millions d'euros de fausses factures au nom du parti durant la dernière campagne électorale. Qui était au courant? Nicolas Sarkozy serait tombé de l'armoire, dit aujourd'hui en France. Le cynique Jérôme Lavrilleux, bras droit de Jean-François Copé, a confessé avec des larmes. Big Malion dit avoir été forcé de faire. Le Figaro trouve ce grand déballage nauséabond qu'il prouve au grand public, je cite, que les grands partis ont une facilité déconcertante à violer la loi alors qu'ils devraient être exemplaires. Dans ces conditions, lit-on dans ce journal, inutile de s'interroger gravement et pendant des heures sur les raisons de voter FN. Libération relate aussi l'affaire et s'attarde un instant sur cette campagne sans limite qui a conduit à faire des factures bidons. Big Malion devait organiser quelques meetings seulement et finalement la demande s'est emballée jusqu'à 42 réunions publiques en 6 mois. Très cher, car à la dernière minute, quand la société alertait sur les montants, on répondait « on s'en fout, continuez, on verra après ». Triste spectacle donc au lendemain d'une autre gueule de bois politique sur laquelle Libération a choisi de s'arrêter longuement, car il faut réagir au score énorme du Front National aux Européennes, estime le quotidien. Il s'interroge comment réparer le pacte républicain. Le paysage politique est proche de l'année zéro, dévasté comme après le passage d'un typhon électoral. L'enjeu est tel, dit le journal, qu'il contraint tous les républicains à faire preuve de responsabilité en abandonnant des postures politiciennes stériles qui depuis 30 ans font le lit du FN. Car pendant ce temps, estime Raphaël Liogier, philosophe, les frontistes sont les seuls à rompre avec le cynisme, à aborder un certain fond avec simplicité, se rendant audible quand Manuel Valls livrait dimanche soir une performance de mauvais acteur. Le Parisien aujourd'hui en France, à ce sujet, s'est rendu à Hachin, un village mosellan qui a voté FN à 70%. Immigration zéro, terres agricoles qui bénéficient largement de l'Europe. Tout cela n'éloigne pas le front. Les cambriolages, les impôts qui augmentent, les privilèges des élus, autant de raisons sont invoquées ici pour voter extrême droite. Résultat, tout en haut, on retrouve un François Hollande affaibli sous le regard de l'Europe. Un président qui toutefois, précise les échos, refuse de dévier de sa feuille de route. À Bruxelles aujourd'hui, il sera dur de convaincre l'Europe de le faire à sa place. Tout cela a des allures de bateau qui coule, se dit Willem dans Libération. Bonne lecture, à demain.